Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais compléter la vidéo qui a déjà été faite sur les captures d'écran. Donc, vous connaissez déjà comment faire les captures d'écran en regardant la vidéo déjà prévue à cet effet. Mais il y a une astuce qui n'a pas été dite, qui est tout simplement, par exemple, si j'ai n'importe quelle fenêtre d'ouverte ou ce que vous voulez, vous faites votre capture d'écran avec pomme ou commande majuscule 4 au-dessus du E et du R. Et là, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace et vous avez un appareil photo qui s'affiche. Vous pouvez prendre la fenêtre, le fond d'écran, n'importe quelle fenêtre, etc. Donc si je veux cette fenêtre-là, je clique. Et voici l'image adéquatement créé. Voilà, et à la prochaine.